Même ma grand-mère m'a demandé la recette de sous poulet. La première étape de cette recette consiste à séparer trois gros morceaux de poulet. Coupez les morceaux en deux. Mais il n'est pas nécessaire de diviser le poulet en deux. Répétez le processus. Coupez simplement en deux très soigneusement. L'étape suivante, c'est l'assaisonnement du poulet. Commencez par le sel. Saupoudrez le sel partout sur la viande. Comme ça. Assaisonnez ensuite avec du poivre noir. Cette étape est simple et super facile. Répartir l'assaisonnement sur toute la viande. Réservez quelques instants. Faites chauffer une poêle à feu moyen. Ajoutez une cuillère à soupe de beurre. Faites fondre le beurre suffisamment pour faire frire le poulet. Ajoutez ensuite les morceaux de poulet découpés dans la poêle. Maintenant, faire frire pendant quelques minutes. Lorsque votre poulet est prêt, assaisonnez-le à nouveau. Commencez par ajouter des morceaux d'ail au milieu de la viande. Ajoutez autant d'ail que vous le souhaitez. Répétez le processus avec tout le poulet. Ensuite, ajoutez une généreuse cuillerée de beurre au milieu du poulet. Cette recette est incroyable et parfaite. La quantité de beurre est également facultative. Ajoutez le beurre au milieu du poulet. Après avoir fait frire le poulet d'un côté, retournez-le délicatement et faites-le revenir de l'autre côté. Faites cela très soigneusement. Laissez frire encore quelques minutes. Et notre poulet est prêt! Retirez de la poêle et servir dans une assiette. Retirez également l'excès d'huile. Dans la même poêle, faire revenir les pommes de terre coupées en dés. Quand vos pommes de terre sont dorées, c'est l'heure de l'oignon. Assaisonnez avec un oignon haché. Une cuillère à soupe de sel. Une cuillère à soupe de poivre noir. Remuez le tout doucement et soigneusement pour ne pas vous brûler. Pendant ce temps, finalisez la recette. Pour la sauce, 200 g de crème. 100 g de fromage mozzarella râpé. Persil au goût. Remuez et mélangez très bien le tout. Cette sauce est incroyable. Mettez ça de côté une fois que vous avez fini de remuer. Placez les morceaux de poulet sur les pommes de terre. Ajoutez les tomates hachées. J'adore cette recette de poulet. Terminez avec la sauce au fromage. Il suffit de bien l'étaler sur le poulet. Et c'est tout! Couvrir et cuire jusqu'à ce que le fromage soit fondu. Et en quelques minutes, notre recette est prête! Retirez le poulet de la poêle et servez-le dans une assiette. Cette recette est super complète et ne nécessite aucun accompagnement. Mais si vous préférez, servez ça avec du riz ou des salades. On essaye! Je salive! Viande de poulet parfaite! Régalez-vous!